Salutations les lémures, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Subnautica et aujourd'hui un grand épisode spécial où j'en ai passé du temps à aller farm pour pouvoir le tourner cet épisode. D'ailleurs on voit que là j'ai un bon petit stock de titane. J'en ai farmé plus d'une quarantaine voire une cinquantaine pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Car au programme il va y avoir pas mal de choses. Alors déjà pour commencer, je vais me faire de l'eau. Alors on vient de passer devant un petit indice sur ce qu'on va bien pouvoir faire dans cet épisode. Alors je vous laisse mettre pause et mettre une réponse dans les commentaires si vous pensez que c'est telle ou telle chose. Et je vous annoncerai ça après. Pour le moment, je vais me faire une bonne petite réserve d'eau parce que j'ai farmé pas mal de sel aussi. J'en aurai assez pour faire les nouveaux composants chimiques, mais j'ai besoin d'un stock d'eau là. Donc on se fait ça. Voilà. D'ailleurs, au passage, j'avais des bacs à plantes. D'ailleurs, on peut voir hein, là, ceux-là, ils sont vides. J'en avais dans mon bureau, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, qui était vide. Donc qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un melon marbré. Voilà. Comme ça, si jamais j'ai besoin de manger. Ah, je peux même en mettre plusieurs là. Eh ben, je vais en mettre deux. Ah, je peux plus les déplacer. Ok, tant pis. De l'autre côté, on en mettra qu'un. Voilà. Ça va faire des bébés. Parce que j'ai voulu en mettre un gros dans les petits pots de fleurs. J'ai pas pu. Donc on va voir comment ça va pousser si j'en mets plusieurs dedans. Peut-être que ça fera des mini melons. Faudrait que j'en mette là aussi parce que ou je mette autre chose. Peut-être un truc qui brille la nuit. Pour éclairer un peu la pièce. Donc voilà, nous voici dans notre super labo hors de fonction. Pas mal de choses à faire. Pour commencer, on avait dit qu'on se ferait dernièrement la combinaison de plongée renforcée, tout simplement. Qu'on se ferait aussi également le cyclope et qu'on se ferait, depuis le temps qu'on l'attend, le prône. Donc la seule chose qui va me manquer pour le prône, c'est l'aérogel. Donc je vais aller me chercher mes petites goupilles. Alors c'est pas là que je veux aller. Alors là j'ai mis tous les composants pour faire la combinaison. Donc j'ai mes diamants, mon titane et mes fibres synthétiques. Ici j'ai mis tout ce qu'il me faut pour faire justement le prône. Et comme j'avais pas assez de place et que je voulais pas mélanger, et bien ici voilà, j'ai tous les composants que j'ai commencé à préparer, par exemple pour le kit de réparage évolué, là, kit de câblage élevé, plus tout le reste, le lithium pour les barres de titane, pour se faire le plastacier, là, les lingots de plastacier qui se situent ici. Donc là, on va aller chercher de quoi se faire de l'aérogel. Alors, je sais pas s'il faut les prendre entièrement ou pas. Donc, je vais aller en chercher. Là, je sais pas si... Ah, c'est bon, les déchets, ils ont... J'avais plein de déchets, là, qu'on dépop. Alors, je les ai coupés pour en faire repousser. Donc, je sais pas combien il va m'en falloir. Parce que j'ai pas le... Si je peux faire l'aérogel là, est-ce qu'ils m'ont mis d'entrée? Non, mais assis là. Donc il me faut des rubis et un sac gélatineux. Ok. Bah, je vais en prendre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, soyons fous. Ah, celui-là, je vais le prendre. Je vais le mettre au bord là. Hop, je vais le déposer en espérant qu'il ne tombe pas, voilà. Et je vais le taper ici. Et voilà. Comme ça, j'ai tous mes morceaux qui tomberont en bas là. Et, ça
ça fera moins crade. Voilà, je vais refaire pousser tout ça par contre maintenant. Donc ouais, je suis plutôt content d'avoir retrouvé tout ça. Je viendrai en faire pousser d'autres plus tard. Alors je vais éteindre la lumière de mon simote quand même, histoire que ça me bouffe pas l'énergie pour rien. Voilà, vu que j'ai des blocs de titane à aller chercher là-bas, vu qu'ils traînent, parce que j'avais dû sûrement être plein et donc je les ai laissés tomber, j'aimerais bien les récupérer pour que ça arrête de flotter à la surface. Hein, vous pouvez pas savoir à quel point je suis enthousiasmé. Donc on va déjà commencer par se faire la combi, là, comme ça on va pouvoir l'enfiler. Ah ouais, faut que j'aille chercher mes rubis. C'est pour ça que ça me propose à rien. Là, je crois que mes rubis, je les ai stockés par là, je crois. Ah non, ils sont à côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faudra que je retourne en chercher. Parce que bah forcément, là, ça va être triste. Mais j'en ai bientôt plus. Ah, la chimie. Voilà, c'était on avait tous les composants. Le champi abyssal, l'huile de sang, on avait tout trouvé la dernière fois. Donc bah le benzène, ça va, ces deux-là vont ensemble. Celui-là va avec celui-là. Et le seul qui nous manquait, c'était l'aérogène. Donc je suis bien content de l'avoir trouvé. Donc là, on va s'en faire masse. Quitte après, je sais pas si on peut trouver des gros blocs de rubis. Si je peux y aller avec le prône directement. Alors après, le prône, va falloir l'équiper. Donc pour le moment, comme on va l'essayer, on va y aller mollo lastico. Je sais même pas si je pourrais me déplacer avec le cyclope et le transporter dedans. Donc ce sera au pire à tester. Et je sais même pas où va pop mon. Il me reste encore des. J'aurais pas du sel là par hasard, je crois que j'en avais stocké un peu. Ça, je vais me refaire des bouteilles d'eau. Voilà. Ça me prendra moins de place dans l'inventaire. Ça, si on part en explo, eh bien, ma foi, on sera. Tranquille, faudra que je me fasse une. De toute façon, on a plein d'autres trucs à faire encore. Je m'en fasse des armoires pour stocker de l'eau. Et on a justement l'appareil de filtrage à mettre en place maintenant qu'on a l'aérogène. Parce que ça aussi, ça me manquait. Il est où? Il est là. Il est tout en bas. On a ça à faire. Maintenant, ça, on peut le faire. Donc en plus, c'est tout simple. Faut que je me construise ma salle pour foutre les deux moteurs dedans. Alors, je sais pas si je peux mettre les deux dans la même, sinon je les séparerai. Hein. C'est dommage qu'on puisse pas forer la terre. Je sais pas si on peut s'amuser à forer le décor, mais bon, on verra bien. Donc ouais, tas de trucs à faire, ça sera pour la prochaine fois. Et après, on essaiera d'équiper, si on peut, un petit peu le prône là derrière, histoire qu'on résiste un petit peu aux événements. Qu'on rencontrera. Donc là j'ai tout, faut juste que je fasse mes barres de plastacier et après normalement on est bon. Donc ça c'est fait, on va y aller crescendo. On va faire je me tâte à faire le prône en dernier et à faire le cyclope d'abord. On verra. Alors est-ce que c'est ici par contre? Alors peut-être pas. Est-ce que j'ai besoin de ça? Je suis pas sûr, hein, mais je sais pas où on l'a fait. Hein. Non, c'est pas avec ça. Peut-être que c'est là alors. Ce qui me semble bizarre. Alors, on va voir ce qu'il nous demande.
cas-là, je peux la faire. Alors, qu'ils me disent pas que. Ah, j'ai oublié d'embarquer mon petit âne. Ah oui, non, j'ai pas pris les bons. Ah, ça, c'est pour le prône. Autant pour moi. Voilà. Alors, d'ailleurs, je vais mettre les deux barres d'aérogel. Hop. Pour la combinaison, c'est ici. Donc, deux titanes, une fibre et deux diamants. Voilà. Normalement, là, c'est bon. Alors, si je viens là. Non, c'est pas là non plus. Alors, c'est ici. Ah, yes. Voilà. Faudrait que je me fasse aussi une armoire pour ranger toutes mes combis et tout. Là, j'en ai déjà une pour tout ce qui est accessoire, mais. Alors, pourquoi ça m'a filé deux trucs? Ah oui, j'ai la paire de gants qui va avec. Ah bon, on va l'équiper tout de suite. Hein. Voilà, comme ça on pourra aller à. Ça, je sais pas si c'est contre les radiations. Ouais, casque anti-radiation. Doublé de plomb. Ah, c'est le truc à garder quand même. Au pire, je prendrai l'autre pour respirer plus longtemps. Quoique j'ai ma capacité d'oxygène là, mais. À voir. Hein. Ça, je sais toujours pas ce que je peux mettre ici. On a quoi comme nouvelle entrée? Ah oui, voilà, je suis allé, j'ai pris beaucoup de risques aussi en allant farmer. Voilà sur quoi je suis tombé et ce que j'ai réussi à geler pour le scan. Menace extrême, éviter en toutes circonstances. Donc ouais, c'était tendu, il m'a bouffé, j'ai dû m'y reprendre à deux fois avant de réussir à le scanner. Hein. Je suis honnête, hein, je vous le dis. Alors ça, pour le moment, je vais le déposer ici. Là, c'est pour le prône. D'ailleurs, je vais me déposer des bouteilles d'eau, là. Je vais en boire deux. Je vais me faire de la place en posant ça ici. Et en posant ça là, j'aurais peut-être dû tout mettre au même endroit, mais bon, tant pis. Le prône, je vais me le garder en dernier. Maintenant, je vais aller chercher ça. Ouais. Je vais tout prendre. Voilà. Ça, j'en ai besoin aussi. Ça aussi, et le lubrifiant avec. Ok, donc là je vais pouvoir me faire mon kit de câblage. Kit de câblage, hop. Première étape. Voilà, là on est bon. Ensuite, là je peux faire des barres de plastacier. Ok, ça c'est cool. Donc, vu qu'il en faut 3, bah, on en fait 3 bien sûr. Voilà. Ensuite, normalement tout est good. Ah oui, alors c'est pas ici qu'il faut aller, c'est dehors. J'espère que j'ai tout bien fait et que j'ai rien oublié. Je vais quand même vérifier la recette avant de mettre les pieds dehors. Alors le cyclope. De toute façon, on sera si nous. Voilà, on a tout. Donc, on peut aller spondre notre cyclope dehors, sachant qu'il y a le reste après à faire. Mais on n'a pas les schémas. Alors, peut-être que ça va se débloquer une fois qu'on aura le cyclope. Donc, comme ça, ben. On sera rencardé. Ok. Alors j'espère que là, ouais, de toute façon, même s'il apparaît ici et que je le garde là, j'aurai la possibilité de sortir. Parce que je suis pas sûr qu'il rentre là-dedans. Ok, chef, allez. Ah, on peut le faire. Impossible de construire. Cet objet doit être placé plus en profondeur. Ok. Alors ça, normalement, je peux l'embarquer avec moi. Non. Je veux pas escalader. Hop là. Alors, je vais me mettre par là. Hein. Alors là, est-ce que tu acceptes de construire mon prône?
enfin mon cyclope. Plus en profondeur. Encore. Ah mais si tu fais que remonter à la surface, tu vas pas m'aider beaucoup là. Ok, alors je vais me foutre ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein? Alors espérons que la troisième soit la bonne, hein. Mais c'est pas possible là. Me dis pas qu'il n'y a pas assez de profondeur ici. Il n'y a que ça là. Où est-ce qu'il faut que je comprends pas là. Vas-y, hein, je vais me mettre là. Hein. C'est n'importe quoi. Allez, là, ça devrait aller, là. Mais c'est un truc de ouf, là. Je vois pas. Putain, faut que j'aille le construire à l'autre bout de ma base, quoi. Sérieusement. Allez, dis-moi que ça va là. Ouais, j'étais monté dessus, ils abusent. Là, je vais péter un câble. Non, mais. Faut construire à combien? Immense sous-marin à usage industriel. Ouais, je veux bien, mais. Non, mais c'est un délire. Même là. Elle veut pas. Je vais la larguer tout en bas là pour qu'elle évalue la distance. Si c'est ce qu'elle doit faire, voilà. Alors, je vais me mettre ici. Hein. Franchement là, si elle me sort qu'il n'y a pas assez de place, je sais plus quoi faire. Hein. Allez, laisse-moi monter avec. Ouais, je suis avec toi. Elle est où ma plateforme? Ok, elle est là. Alors là, franchement, il y a masse profondeur. J'espère que je vais pouvoir rentrer à la base avec après, parce que... Non, laisse-moi monter, s'il te plaît. En plus, là, je suis tourné dans le mauvais sens. Ah! Hip hip hip! Ah ouais, d'accord, ok, ça fabrique dans les airs. Ah, ça va faire un pouf immense. Ouais, ouais, on a expérimenté. Ouais, y'a qu'il est beau! Ok, alors toi, je vais te récupérer tout de suite. Oh, aïe aïe, regardez-moi ça. Montez à bord du Cyclope. Ah, qu'il est beau. Je vais prendre une petite photo, là. Je vais le mitrailler. Oh, voici notre Nautilus. Aïe aïe aïe. Alors, c'est parti. Merci.
Ouais, on va visiter l'étage inférieur d'abord. Ok, alors là c'est les, je peux fermer les soutes. Là d'ailleurs il y avait un truc là. Ok, générateur de bouclier du cyclope, faut qu'on le trouve. Module, on a de nouvelles entrées. Alors ça je vais l'installer, je l'ai. Amélioration du sonar pour cyclope, je sais pas, mais ça en tout cas je l'ai, donc je vais le foutre. Je vais pas m'embêter à. On va rentrer à la base et on va aller se le mettre. Comme ça au moins on aura un truc. Plan. Ça j'ai pas. Alors nouvelle entrée c'est ici déjà. Gardez en tête que Cyclope, seul les devrait se risquer à le diriger. Ok, ça je l'ai avec moi. Ok, merci, je suis au courant. Là j'ai mes belles petites photos. Ah, ils auraient pu me virer le couteau, quoi. Bref, tant pis. J'ai à reprendre une photo sans. Schéma de coque du cyclope. Plan pour construire un cyclope. Bah ouais, ça on l'a. Plan pour construire machin, un cyclope. Ah ok, c'est les plans, il n'y a pas besoin de. Immense sous-marin usage industriel. Ouais, je crois qu'il fallait les trois plans pour pouvoir débloquer ça. Ok, donc ouais, je peux faire des torpilles aussi, de leurre, aérogel, lithium, amélioration du lanceur de leurre, de cyclope, accroît la capacité de stockage de tubes de chargement à leurre du cyclope. Peut-être pour attirer les gros prédateurs et être tranquille. Ok, alors on va monter à l'arrière pour voir. Yes. Alors ça doit être la salle des machines. Ok, ah, on a directement des grosses piles. Ok, alors ça, c'est peut-être pour l'équiper. Non, ça, je vais pas le mettre. Hein. Ingrédients inconnus, ça, je l'ai. Là, on a des ingrédients inconnus. Ok. Donc, bah, j'inspecterai tout ce que j'ai là. Et de toute façon, on va venir le mettre. Alors, est-ce qu'il y a des piles de l'autre côté? C'est ça le truc. Donc, à mon avis, oui. C'est peut-être pour ça qu'il y a une autre échelle. Ah yes, et c'est là que je mets mes petites capsules. Ah, j'ai même un extincteur. Trop bien équipé, voilà, 6 grosses piles. Ok, bah, j'en fabriquais. Il me faut le truc pour les recharger, mais... Ah, si j'avais su, j'aurais pris... Santé 1500, 1200 d'énergie, ok. Ah, si j'avais su, j'aurais pris ma capsule, j'aurais mis direct. Ok, là par contre, c'est cool, c'est que j'ai une porte. Ok, là, ouais, je peux tout fermer. Ça sert à quoi? Ouvrir le tube de chargement de leurre. Ah, ok, pour le moment, il n'y en a qu'un. Ok, d'où l'intérêt de l'agrandir. Ah, ouais, ça va là-dedans. Peut-être que c'est propulsé à l'arrière, comme ça, ouais, si on se fait attaquer par un Léviathan. Il suit le leurre et puis il nous fout la paix. Ah là je peux équiper un truc. Pas de véhicule amarré. Alors ça c'est pas mal le fait qu'on puisse pas. Voilà. Alors je peux amarrer un véhicule. Bah écoutez, on va voir ce qu'on peut amarrer. Ah ouais, heureusement qu'il y a une descente parce que je me suis dit ouais la porte elle va être trop petite. Ah ouais. On va fermer ça, je vais me prendre une belle photo. Ah, et là on a notre beau simota, je bombarde. Là, je peux accrocher un truc, non? Ah ouais, on pilote debout. Ok, là on a la zone où on est. La petite boussole. Ouais, je verrai après pour la déco. Je pense que je ferai les mêmes couleurs que l'autre. Ok, je peux tout éteindre. Ça, c'est l'éclairage intérieur. Et ça, c'est les loupiottes dehors. Donc là, ça éclaire. Non, je vais même éteindre là pour qu'on voit bien. Et là, c'est éteint. Moi, je peux marcher un peu sur la.
là c'est éclairé, mais c'est magnifique. Bah écoutez, je vais vous ramener à la maison. Alors ça c'est pour les couleurs, on verra après. Ça c'est quoi? C'est pour que je vois l'état de santé de mon bébé. Je sais pas si on peut le renommer. Moteur connecté. Engine powering up. Ok, j'ai les petites entrées là. Ah, là c'est la vitesse. Vitesse minimale. Youhou! Allez, vitesse maximum. Ah là, on a l'énergie et la vie. On peut pas rester à la surface. Alors attends, surchauffe moteur. On va mettre en vitesse de croisière. Ok, là aussi j'ai quoi? Activer le mode silencieux. Et ça c'est quoi? Ah, j'ai une caméra qui est à... Ah, pour activer et désactiver la lumière. Ah ouais, pénombre, noir total. C'est pour bien éclairer, éclairer un petit peu. Ah ouais, je peux piloter aussi comme ça. Mais c'est magnifique. Alors notre base, elle est par là. Utiliser pour changer de caméra. Ah, j'ai deux caméras. Ah ouais, ok, d'accord, il y en a même une au-dessus. Bah, je sais pas si on peut zoomer, c'est ça le problème. Ok, là je suis tout en haut. Caméra 3. Est-ce que c'est celle du cucu? Ouais, c'est celle du cucu là. Ok. On en voit une autre là. Bah celle-là, je vais la laisser en arrière. Voilà, bien dans l'angle. Ah, il y a la base à côté. Alors, je vais quitter. Ah bah si, je suis à la surface là. Ah, c'est bien de pouvoir interagir directement comme ça. Ça c'est la... ça c'est les caméras, on est d'accord, hein, ouais. Ok. Et ça c'est pour lancer le leurre. Ah, je suis peut-être en... Alors je suis peut-être en... Alors je vais faire attention à mon... Ah, ça c'est le bruit qu'on génère. Ok. Ah, j'aurais voulu passer de l'autre côté. Vu que là je peux pas plonger. Alors il me dit attention. Ah ouais. Parce que je suis proche de la... De la surface, ok, le cucu il est là. Alors pour manœuvrer c'est pratique franchement.
Je vais tourner par là. Il faut quand même qu'il reste près de ma base. Je vais pivoter, je vais là aller devant, là où c'est plus profond. Au pire, je me ferai un accès. Je sais pas si on peut l'amarrer. Vous voyez, là j'ai du. Ah non, c'est un corail. Ah ouais, je vais manger là. Bouge pas, madame. Ce serait dommage que je meure maintenant. Voilà, il y a un petit chemin. Où est-ce que j'ai tapé? Je me fais bouffer ou... C'est quoi ce bazar là? Ah, j'ai rien en plus à manger sur moi. Ah, ma base elle est là-bas. Alors on va se dépêcher. Je vais retourner en mode caméra. Ah, je peux pas activer le klaxon là. Ah, c'est les bulles. C'est les boules qui tapent sur la paroi. Ok, alors ce chemin me plaît plutôt bien là. Ok, c'est toujours les bulles. Je comprends pourquoi il n'y avait pas la place. Ok, alors là, à l'arrière, ça passe. Je peux tourner sur place. Je vais effectuer une petite marche arrière. Pour effectuer le créneau, c'est plutôt pas mal. Je vais me garer là, hein. Ça me semble bien. Pour le moment, ça me semble bien. Rig for silent running. Ah bah ouais, c'est vachement bien configuré le mode silencieux. Ah ouais, tout rouge. Ok, alors on va le laisser là, nous on va descendre. Hop. Je vais fermer la porte pour éviter de mettre de l'eau partout. Yeah! Regardez-moi la bête là! Oh, il est immense! C'est un truc de malade! Je pensais pas que ce serait aussi grand. Et venez là, j'ai faim là. Alors, je suis sûr que le poisson que j'ai pris. Sûrement un poisson que j'avais tué avant. Ouais, moins 9, allez, tant pis. Ah, il m'en faut un autre. Et là maintenant on va aller se faire le prône. Ah merde celui-là, enfin zut, celui-là je l'ai pris. Faudrait que j'en tape un. Allez viens. Il est passé où? Allez vite le poisson là. Ah, toi je vais te déposer. Ok, là c'est pour embarquer. Ah, je sais pas s'il y a moyen de mettre des rangements dessus. Faudra que je viote ça.
Alors je vais faire le prône et ensuite je vais récupérer tout l'équipement que je peux installer sur chaque composant là. Je mange un dernier poisson et on y va. Allez, on va aller boire un coup pour fêter ça. Ouais, faudra que je trouve un... Ouais, au pire, je le garerai par là. Hein. Là, c'est plus, plus espacé. Oh, mais qu'est-ce qu'il est immense. Ah ouais, et puis dès que je passe, ça s'ouvre. Ah, il détecte, il connaît son propriétaire. Ouais, donc effectivement, ça aurait pas pu rentrer là-dedans. Hein. Ah, moi qui avais garé mon... J'avais garé mon... mon Simote à côté, histoire de... Pour être large. Donc là, il est là. Ah, ça, faudra le mettre. Ça, c'est pour Simote. Pour le prône et... rendement moteur, ok. Pour le Pronessimote, au pire, je vais mettre ça et ça sur le prône pour commencer. Ça, c'est Simote niveau 1, mais on s'en fout. Sonar pour Simote, ok. Ah, donc, je vais prendre ça. Ah, là, il me reste plus que du minerai. Là, plus que du soufre. Donc, on va aller là-bas, on va se faire le prône maintenant. Ah, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Là, je vais faire ça. Je vais me consommer deux petites bouteilles pour être tranquille. L'aérogel. Ça, je vais le prendre par contre. Je vais le déposer. Donc ça. Hop, hop. Deux aérogels. Et je vais me récupérer trois bouteilles d'eau pour après. Celle-là, je vais les laisser ici. Donc ouais, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Ouais, c'est juste l'exosquelette MK2. Il me faudra du lithium. Alors, le Disten, je l'ai pas encore, donc on oublie. Pour le Cyclope, ingrédient inconnu, donc c'est mort, on oublie aussi. Module de profondeur. Je sais pas, okay, ouais, j'ai pas regardé la profondeur du Simote là. Enfin, du Cyclope, pardon. Ok, donc là, faut que je retourne dehors avec ma baie d'amarrage, là. Je vais faire une petite sauvegarde. Alors, j'avais dit que je mettrais ça sur le prône pour commencer, donc je vais les prendre maintenant. Ça, c'est spécialement Simote. Alors, je ferai des armoires pour Simote et prône et pour le Cyclope. Comme ça, au moins, je mélangerai pas. Je pense qu'un petit casier, petite armoire murale, ça ira amplement. Ok, donc bah, je vais me poser juste à côté. Hein. Bah, 4. Ah ouais, je fais ridicule à côté. Regardez-moi le géant des mers là. Va falloir que je le gare ailleurs. Hein. Ok, donc ça on va l'utiliser. Maintenant, hop. Allez, 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 fais-moi le prône. Fais-moi le prône. Il est normal de ressentir une sensation de surpuissance pendant les premières utilisations de la combinaison prône. Ouais. La pilote de prône reçoivent plusieurs semaines d'entraînement pour contrecarrer ce phénomène. Dans votre cas, il vous faudra. Ah, il vous faudra quoi? Il vous faudra faire preuve de discipline. Ouais, tu vois, je vais lui installer des bras et tout là. Je vais voir si je peux pas. Je suis pas sûr que ce soit ici pour les équiper. Hein. Faut que je voie là. Qu'est-ce qu'il faut d'ailleurs pour les faire? Ah, ça j'ai même pas regardé.
j'espère que la vidéo sera quand même pas trop longue. Il faut que je me fasse mon truc KO et tout. Ah, j'ai hâte. Allez, les bras. Ok, 5 titanes, du lithium et 4 diamants. Alors normalement j'ai assez ça, je vais me le faire hein, direct. Le lance-torpille pour le moment je vais attendre parce que bon voilà, je ferai après. Je vais d'abord faire ça. Hein. Il faudra un kit de câblage. Hein. Je vais voir si j'ai de quoi faire le kit de câblage avancé encore. Normalement oui. Il faut un circuit électronique et un... et kit de câblage. Donc là le minerai d'argent c'est bon. De l'or et un circuit intégré. Donc voilà. Échantillon corail. Je crois qu'il m'en reste un, faut que j'aille en choper un. Je vais le récupérer tout de suite mon échantillon corail. Normalement il traîne dehors de l'autre côté. C'est pas là. Voilà, échantillon corail. Je vais en choper un deuxième. Ça, ça m'évitera d'y aller après. Bah, il y en a là, parfait. Voilà. Donc, un d'or. Un d'or et un de cuivre. Un fil de cuivre. Je vais pas me prendre la tête, je sais que j'en ai là. Ah oui, vous inquiétez pas, on va aller voir le trône. Hein. Ah non, c'est pas ici qu'il faut que je regarde, c'est là. Donc fil de cuivre, hop. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? L'or, je vais aller le chercher. Et là, minerai d'argent. Ok, j'en ai déjà un sur moi. Il m'en faut un deuxième. Ah, je vais faire ça comme ça, hop. Poum poum. Donc on va choper de l'or et de l'argent. Ah il est là, t'inquiète, j'arrive. J'arrive. Ah ouais, là ça ira plus vite si je passe là. Ok, on va se dépêcher. Hop hop hop. Donc l'or. Hop. Le minerai d'argent. Hop. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ce qui me donne ça. Sauf que là, de l'or, il en faudra deux. Donc faut que j'en reprenne deux autres. Hop. Ensuite. L'autre bras maintenant. La foreuse. Donc là, on a vu le grappin. Il me faut du benzène, j'en ai là-bas. Il me faut 5 titanes et un lithium. Donc le lithium. Là. Le titane. Il faudra que j'aille le chercher là-bas parce que j'en ai pas. Ok, donc ça c'est bon. Le benzène et tout, c'est là-bas. Pour le kit, j'ai tout ce qu'il faut. Et donc il me faut 10 titanes en tout et 4 diamants. Alors les diamants. J'espère que j'en ai encore 4. Parfait, pile poil le compte. Pile poil. Un benzène. Hop. Ensuite là, j'ai besoin de rien. Ok, donc kit de câblage. Circuit intégré. Comme ça, ça c'est fait. Alors par contre, je sais pas, je trouve ça c'est peut-être à côté qu'on doit le... qu'on doit se le craft. Je sais pas si c'est là. Alors, je vais vérifier où ils disent. Amélioration de véhicule. Ah, il me faut le titane là. Ça, l'aérogène, on s'en fiche. Là, il me faut les titanes. Faut que je gueule du titane. Ah, si j'en ai plus...
Je fais une ellipse et je vais en chercher. Je vais peut-être stocker là. Ah, je crois que j'en ai plus du tout. Ah si, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, par contre, il va m'en manquer un. On va essayer d'en choper un dehors, là, vite fait. Ouais, j'ai même plus ma loupiote sur moi, c'est dommage. Allez, un morceau de titane, s'il vous plaît, là. Il n'y a pas un bout de caillou à taper. Dès que je l'ai trouvé, on se retrouve. Ok, j'ai trouvé mon titane. Voilà, j'aimerais bien pouvoir passer. Je sais pas si c'est directement sur le prône qu'il faut faire ça. Mais en tout cas, normalement, si on vérifie bien, là j'ai tous les composants. Et là aussi. Donc il n'y a plus qu'à trouver où il faut poser ça. Donc déjà, je vais aller voir le prône. Et voir si c'est pas dessus qu'il faut... Faut farfouiller. Accès amélioration. Ok. Donc déjà ça se fout là. Non, déjà je peux mettre ça là. Je vais mettre le blindage. Non, je les ai déposés. Non, mais je m'en fous des champignons là. C'est ça que je veux, moi. Oh, le mauvais clic. Ah, je m'en fous de la batterie aussi. Batterie haute capacité. Ah, amélioration. Ok, super. Ah, là-bas, je croyais que c'était le rond, mais donc équipé et équipé. Ça, c'est pour l'osimote. Je peux en mettre encore deux. Je sais pas si c'est cumulable. Mais en tout cas, voilà. Ah, on va faire le tour, ouvrir le stockage. Ah, mais il y a masse place, mais c'est magnifique. Il n'y a pas grand... Je sais pas si on peut mettre les... des capsules de stockage. Ouais, pour le prône. En plus, si je peux rajouter ça, mais... Pff, mais ça va être juste pas croyable. Ok, donc là, c'est deux batteries. Entrer dans le prône, non. Non, je veux voir pour les bras, là. Je sais pas si c'est ici. Je pense pas, hein. Mais je veux escalader. C'est pas là. Je sais pas si ce serait peut-être là. Je vais voir, hein. Ah, c'est peut-être ici. Ah voilà, nickel. Bras grappin, hop. Ah, il me manque un lithium. Il m'en fallait deux. Ok. On se retrouve sur place. Ok, donc je suis allé chercher mon lithium. Maintenant, ça, c'est bon. Voilà, là il y aura mes torpilles. Bras à torpilles, ok. Bras de combinaison. Donc bras grappin. Je sais pas si je peux mettre deux bras de forage. Amélioration du propulseur. Alors le soufre cristallin, on l'a pas encore. Le minerai de nickel, je l'ai pas encore non plus. De toute façon, je vais aller refarmer des rubis et compagnie là. Et polyaniline. Ça non plus, je peux pas le faire. J'ai pas le distène. Et le minerai de nickel. Ça, je peux pas non plus. Module commun. Ça, je lui ai mis. Ça, je lui ai mis. Là, ouais, bah, je vais me refaire un stockage, là. Je vais me farmer du titane et du lithium. Et puis, on va lui mettre. Ça, c'est pour le simote. Et ça, c'est les torpilles.
Ok, donc soit pour le 6 mode, soit pour. Ils auraient... Je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis dans, co... dans commun. Ça c'est fait. Alors, je me ferai le bras lance torpille aussi que je mettrai dans mon 6 mode. Alors maintenant on va se l'enfiler. Hein. Je pense que de toute façon il m'aurait fallu le bras à forage pour justement pouvoir le mettre. Non, 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 non! Chaque fois je me gourre. Alors je peux choisir le bras, c'est ça? Ah, je peux choisir. Hein. Je pense qu'on peut mettre les deux. Hein. Et là, le grappin. Hop. Et là, j'ai mes deux. Deux structures. Alors, ce que je vais faire, c'est quand même. C'est que je vais rentrer dans mon cyclope. Ok, toi, je t'ai pris. C'est pas ce que je voulais faire, mais. Il est hors service? Pourquoi c'est hors service là? Ça c'est photo et ça c'est l'entrée. Ok. Ça je peux fermer, mais tu veux pas me redonner ton message là? Alors peut-être qu'il le met là. Non. Ah, je... Je peux pas étendre. Ah, j'ai peut-être oublié d'éteindre le moteur et Ah ouais, se trouve j'ai. Je pensais que quand je lâchais ça. Engine powering down. Ah ouais, je l'ai laissé tourner. Ah, je vais voir si ça m'a bouffé toutes les. Les batteries là. Ok, véhicule à marée zéro. Je crois que c'était par là. Utilisateur de fabrication, machin, les piles. Ah ouais, oh là là, dur. Ah ouais. Non, il est complètement déchargé. Et j'ai même pas de quoi recharger mes piles. Je l'ai toujours pas le plan. Je mets une petite bouteille, voilà. Vital signs stabilizing. Ah ouais, dur. Il m'en manque un morceau encore. Ah, je me suis mis dans le caca tout seul. Je pensais que ça s'était coupé, moi. Je sais pas si je peux mettre une barre de réacteur dedans. Non, c'est pour alimenter le réacteur nucléaire, dommage. Bah, je vais me refaire une série de 6 grosses piles. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais me faire plein de petites piles là. Comme ça, je vais utiliser mes champignons. Et je vais me faire deux jeux de batterie. Puis ça, là, je vais les mettre de côté le temps que. Il faut vraiment penser à l'éteindre. Ça s'éteint pas tout seul. Oh là là. Là, je trouve même pas en plus. À moi, j'étais tellement. Euphorique et tout, que j'en ai complètement zappé le bâton lumineux, on s'en fout là. C'est où la loupiote là? Sérieux, le chargeur. Les piles, les machins. Non, bah ça se trouve, c'est tout en bas. Là, il y a ça. Ouais, c'est ça là. Rechargeur de batterie haute capacité. Faut vraiment que je trouve l'autre morceau. Hein. En plus, si on peut les recharger que par deux. Voilà, bon, bah écoutez, il est hors tension. Donc pour le moment, bah, on va pas s'en servir. Il est complètement HS. Je sais pas s'il y a moyen de fabriquer un truc pour qu'il se recharge à l'énergie solaire. Sinon, je fabrique un bioréacteur, une centrale thermique dedans et c'est là. Ah ouais, il y a ça. Installe un mécanisme de lutte contre les incendies à bord. Non. Générateur de bouclier du cyclope. Ok. Plan ingrédient inconnu. Donc voilà. Module M1. Je peux même pas faire ça. Et je pense que il y a peut-être moyen de mettre un truc de protection en plus du leurre. Mais je l'ai pas. Et je sais pas s'il peut être rechargé à l'énergie solaire. Je pense que voilà, si je peux mettre ça déjà. Exploite la chaleur dégagée par le moteur pour améliorer son rendement.
Ah, ça j'ai oublié d'aller le mettre. Ah oui, mais non, je peux pas le mettre, il est éteint. Donc on est bloqué. Hein. Je peux même pas foutre mon prône dedans qui est passé je sais pas où. Qui est là. Donc on va déjà se l'enfiler. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour aller se le tester. Ah ok, tu peux voler. Ah ouais, il fait des sauts, c'est ça. Ah ouais. On va faire un petit test. Il est où le débris métallique là? Est-ce que tu peux me forer ça là? Ah ouais. Allez, donne tout ce que t'as là. J'ai pas l'impression que ça fasse grand chose. Est-ce qu'on peut s'accroupir? Non. Non, je peux juste sauter. Ouais, c'est un petit grappin. Ah d'accord, faut rester appuyé. Alors, je vais sortir. Je vais voir si ça m'a mis des morceaux de titane directement. Ouais non, il est vide. Il me fait ça là. Je vais pas rester là pendant 15 ans. Se trouve c'est pour le prendre, mais ce serait bizarre. Donc, il voit bien que j'ai pris ma lame. Bon bah écoutez, ça fait rien, hein. Je vais réessayer dans mon coin, mais voilà, nous on se retrouvera pour une prochaine vidéo, on ira farmer avec le prône ensemble, et je vais essayer de m'occuper du cas du Simote, comme ça je pourrais le transporter et repartir avec. Alors je sais pas si on peut gauler des poissons. Ah il est marrant lui, il est collé avec les deux là. Peut choper les poissons. Sur ce, voilà, je vous laisse. Alors, je vais aller sauver le petit poisson là. Parce que le pauvre. C'est pas possible là. Il est où? Allez, je te rends ta liberté. Mais je te prends pas. Non, on va le libérer celui-là. Allez, tiens, Pepper. Par en paix. Le pauvre, il était collé. Allez, ciao tout le monde, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Si le fait que j'ai déchargé déjà mes 6 batteries, mes grosses batteries à haute capacité de mon Simote, ça vous a fait marrer, ben n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, accompagné d'un petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.